Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode de notre Beta Weekend 6 sur Icarus en coop avec Lodos et Capo. Et aujourd'hui, on va faire le premier scan. Allez, en route. Donc, il va nous falloir du bois pour construire en bois. Il y a plein de bois dehors. J'ai mis 4 piles, donc 400 bois. Ouais, mais il va peut-être en falloir un peu plus. Et j'en ai 92 sur moi. Non, mais je continue d'en taper un peu. Du bois. Parce que là, j'y suis quasiment. J'y suis. Oh, une biche. Ah bah, la biche s'est écrasée. Comme je suis le premier, j'imagine que c'est moi qui... Ah, c'est qui t'a fait fuir la biche. Ah, c'est moi, désolé. J'en ai vu une passer, là, ouais. Alors, on s'installe où vous voulez? On reste devant la grotte? Allez, la mission. Pas loin. T'as le point. T'as la caisse à récupérer. Ça, c'est la caisse à récupérer. Et ensuite, il faudra monter en L11 pour le. C'est peut-être bien la petite langue de rocher qui a vers le lac de L11 M11. Là. Mais il y a besoin de faire une maison et tout. On peut pas faire la mission directe et repartir? Attends, ça c'est le premier scan, après il y a le deuxième. Il y a des trucs qui spawnent, hein, c'est des scans comme le scan avec le... Donc non, vaut mieux quand même s'installer une baraque, je pense. Oui. T'as pas l'air convaincu. On doit juste faire le... Trouver la caisse et se barrer, à mon avis. Non, tu en trouves la caisse dans la... Non, non, dans la caisse, tu as le radar. À peu près avec le radar, tu as la zone de scan numéro 1, tu fais le scan, tu as des spawns. Ensuite, tu reprends le radar, tu vas à la zone de scan numéro 2, tu fais le scan, tu as des spawns. Et à mon avis, les spawns, ils sont un peu progressifs. C'est pas tout le temps le même truc qui va spawner. Oh, un bon arc et des bonnes flèches. C'est... Oui, mais des flèches en os. C'est level 5 les flèches en os. C'est à toi de les bloquer du coup, comme t'as pu les. Oui, effectivement. Bah. Ah, j'ai plus assez de bois pour faire ça. Okay. Je vais commencer par poser ça. Alors. J'ai dit 10. 220. Oula, faut que j'aille manger et boire, moi. La fibre.
Ça, ça passe pas. Ouais, quand l'arbre est tombé, ça a lagouillé un peu chez moi. Ah, désolé. Non, y a pas de souci. T'as quand même bien le droit de faire tomber des arbres. C'est de ta faute, c'est tout. Alors, on a porte. Fenêtre. 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 Attention. Fais pas tomber sur ma cabane. Hein. Et en fait, l'arbre s'est cassé bien haut et il est tombé dans le sens où je ne m'attendais pas. J'ai pas débloqué les escaliers. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Tu le détruis sinon il y en a déjà 4. Hein. Non mais comme ça je vais récupérer l'oxyde et mettre dans à côté du dissolveur. J'ai récupéré mon bedroll. Ok. Donc là on attend quand même le level 10. Donc il va falloir farmer. Taper du caillou, taper du bois. Taper du fer aussi. C'est bien, j'ai plus d'oxygène. Ah, il est rechargé hein, dans la maison. Et l'oxyde est dans le petit coffre juste à côté. Oh. Quelle organisation! C'est pareil, je me recharger en oxygène. T'aurais dû prendre ton lit au passage, Capo? J'aurais pu. Ah, pardon, monsieur. Where is my bed? Bah, lui, c'était. Même pas la peine. Ah yes, un grand cerf dans sa maison, un grand cerf. À part des loups, il n'y a pas grand chose. Là j'ai un grand cerf. Et un loup. Ah, un point de talent, d'ailleurs, je les ai pas mis. Je crois, non. J'ai le blueprint pour la skin bench, j'ai pris. Pour dépecer. Ah, ouais, quand tu auras les points qui vont avec. Bah, attends, à la limite, je vais vous ramener, je viens de refaire un loup, je vous le ramène, et comme ça l'un de vous deux le dépece, pour se faire les points qui vont avec. Il est où le loup? Où êtes-vous?
suis pas loin de l'entrée de la caverne. J'ai 8 points là, mais je sais pas où les mettre. Moi c'est pareil, j'ai plein de points, je sais pas. Ouais, c'est... moi je les conservais pour les structures, mais après je pense qu'on va commencer. Qui c'est qui a besoin de... Vous êtes quel niveau, Lodos? On va dire 10% de 4 aussi. Moi je suis à 4. Vous avez un loup, battez-vous pour le dépecer. Vas-y, Lodos. On va faire du bois. D'ailleurs, du bois, faudra en mettre dans le feu. Un petit peu. C'est vrai que j'ai pas grand chose à craft moi pour faire du level. Je meurs rien du tout. Ah, j'ai faim encore. Je crève la dalle. Ouais, là, pour l'instant, toi, le boss. T'as pris quoi comme. J'ai le feu de camp, le lit, la torche et le couteau. C'est des feux de camp. Tu les détruis. Ouais. Ouais, mais ça se. Ça te fait de en même temps. Ça te fait... c'est, le truc, c'est que ça se stack pas. Je risque de les foutre à terre. J'y pensais aussi de faire des torches et des trucs comme ça. Level 6. Je vous ramène un loup. Voilà, mettez la viande à cuire qui... Ouais. T'es où Ah attends, reviens, Ados. Ah. Merci. Encore un loup. Donc où est-ce que tu... Lodos, t'es passé où? On est parti mettre la viande à cuire. Ah, mais j'arrive devant la... Tiens. J'arriverai jamais à aller les tuer, les bestioles. Je commençais à être un peu faible en bouffe. Parce que c'était ce que t'étais parti faire à l'origine quand je suis revenu avec un loup. À l'origine, oui. En fait, je pense que c'est la meilleure façon de prendre pas mal d'XP en dehors des crafts. Ouais. Et quand tu les dépostes, tu récupères aussi pas mal. Ben, j'ai pas eu l'impression d'avoir récupéré tant que ça, finalement. Mais si tu veux, je déposte. Hein. Non, pas de soucis. Non, mais si tu préfères partir chasser de ton côté, c'était histoire de vous faire un peu de points, que quitte à ramener de la viande, je vous laissais récupérer les points qui allaient avec. Alors, loulou. Chamois. Serre. Chamois 18, ça rapporte combien ça? 1 de viande. Le cerf, tu veux que je te le ramène, capot, ou je le skin? Non, vas-y. Ça, c'est pas le skinner, c'est le poignarder. Bœuf à récupérer. J'ai encore un point de talent du coup, vu que je suis 6. J'avais commencé à monter max health, j'ai le mouvement de speed, carboloïd, tout ça. Ouais, max health à fond. J'ai
J'ai la stamina à fond, la santé à fond. Tu vas peut-être descendre avant. Hein? Tu vas descendre dans le canyon ou pas? Non, pour aller retourner à côté du lac, là où on a spawn en fait. Je suis descendu plein sud pour l'instant. Mais au passage, j'ai trouvé un cerf, donc je me le fais. Ah, les cerfs, ça rapporte plutôt pas mal. 2 de viande, 4 os, 10 cuir. 4 os, ça fait presque une flèche. Plus, là. Ah bah j'en ai 228 des os, comment ça se fait? Ah, j'ai pas posé tout. Bah non, j'en ai 128. Ah, j'en ai... Ah, zut! J'avais pas vu que j'avais embarqué un truc en plus. C'est pas grave. Donc on a un peu plus de flèches que je ne pensais. Ah, dites-le. À l'est. Yes. Bonjour. Bonjour. Donc je l'ouvre. Ou vous, non, vous l'ouvrez là, comme ça on le verra, le scanner. Il est sur le dos encore. T'es prêt? Ouais, ouais. Capot? La terre entière te regarde. Ouais. Attends, vous êtes où? On regarde la caisse. Là. Ok, je suis là. C'est parti. Ah bah, il y a 3 scanners dedans, il faut juste se servir en fait. Ah bon? D'accord. Là, je pensais qu'il y en avait 15, c'est pour ça que je te disais, vas-y, prends-le. Il atterrit où? Dans ton G. Eh non, c'est vide. Ah mais tu as peut-être déjà pris avant. T'as peut-être pris celui que j'essayais de prendre en fait. Ah peut-être. J'ai pris le premier moi. Maintenant on va regarder la map. Ouais, c'est ce que je vous disais, c'était là à côté de la flotte. Il y en a un tout proche, ouais. Je vais remonter poser les os déjà et puis alors c'est, ça serait bien que Krios soit là quoi mais si on fait le premier scan. Attends j'envoie un petit message sur Discord. Alors la map est plus pareille, regarde t'as... maintenant elle se découvre, enfin, faut l'ouvrir pour qu'elle se dévoile autour de toi du coup ouais. C'est, enfin, la map est toujours la même, mais maintenant, on peut la voir. Et oui, c'est toujours la même map. De ma compréhension, les autres maps qu'il y aura, ça sera en fait les DLC. Je préfère tellement la gestion du tir à l'arc dans Icarus que dans Seven Days. C'est vrai. C'est quoi, c'est du maïs ça? C'est du maïs. Alors. Azub, du coup, tu avais demandé de la viande et je suis reparti avec. Pas grave. Sur le chemin du retour. Ouais. Pierre, t'as des baies. Je prends les os et le cuir. Je peux faire combien de flèches? Est-ce que j'ai assez de sticks déjà? J'en ai quelques-uns. Non, ça devrait aller. Je peux faire un stack de 100, déjà. Il y a la viande et le poisson. Tac et tac. Level 5. Ah, cool! Tu vas pouvoir faire des grosses caisses de stockage. Oui, tu m'as même rattrapé, dépassé. Ok, il me manque... Là, je peux faire 111 flèches en os pour l'instant. Je les fais pas toutes. J'en fais juste... Caisse moyenne. Moi, je vais faire les caisses moyennes. Il va me manquer essentiellement... Qu'est-ce qui va me manquer? Pourquoi il voulait pas m'en faire plus? Ah non, maintenant 31. Ok. Oui, c'était les os qui limitaient. Bah, je vais en faire 120 en tout. Comme ça, ça fera 40 chacun. Ok.
Donc vous avez 40 flèches en os. Et on a 4 grosses caisses maintenant pour manger. C'est une boutade. J'ai lu en décalé, du coup j'ai pas vu que c'était une boutade. Et on va bientôt pouvoir dormir, donc à la limite, si vous voulez, on... Sans nouvelles de Kryos, on va peut-être faire le... C'est quoi qui boue ? Table ? Oui. Qu'est-ce que je trimballe qui me sert ? Ah oui, les os, du coup. Ah oh, il y a du poisson, c'est cool, ça. Oui, j'ai été en chercher un peu. Bon, jouer. J'avais pas un coup avant. Charbon, je peux le mettre là, en attendant. Je vais boire un coup. Mais on va pouvoir passer la nuit bientôt. C'est à partir de 18h ou 19h ? 18h. Je vais boire un coup aussi. T'es pas obligé d'aller jusque là-bas pour boire. T'as de... T'as de l'eau au sol juste avant. Ouais. Je te l'accorde, ça donne pas envie, mais... Attends. Non, c'est pas ce que je voulais faire. 7 spawn points, voilà. Moi, je me suis 7 ici. Qu'est-ce qu'on attend ? Ah bah, personne. Pour faire l'enfer. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Notre santé mentale ? Ah ouais. Alors prenez... Tiens, mais j'arrive dans une petite minute et puis on y va. À tout de suite. Ah ouais, d'accord. Bon, bon, ah, mais comme ça, vous avez le temps de vous préparer psychologiquement tous les deux. Ok, enfin, level 5. Ah bah c'est bien. Qu'est-ce que tu devais faire en tant que level 5 déjà ? Je sais pas du tout. On n'avait rien dit. Bah... Ah, t'as le Firewalker qui est level... Ah non, il est juste verrouillé. Le Firewalker, faudrait que t'en fasses, tiens. Firewalker... Qu'est-ce que c'est ? Le truc pour éteindre les feux. Ah oui. J'avais pris ça, moi ? Bah, comme t'as pris le feu de camp, il est derrière. Tout à fait. On en a des os, là ? Pas ouais, des masses... On en a 55, je vais déjà faire 2 kits de suture chacun. Ouais, fais-en un petit peu au cas où quand même on en ait besoin. Je vais en faire 6. Mais là, en fait, dans le palier 1, il n'y a plus grand chose qu'on aurait besoin finalement. J'ai même plus rien. Et on a 10 points rab. Toi, Elru, tu dois en avoir un peu bois vu que t'as pris toutes les structures en bois. Ouais, il me reste 6 points. 6 points quand même. Ouais. Bah, à la limite, tu peux te prendre le pilier en bois et puis crafter des piliers et les détruire hein, si t'as besoin de points. Bah, pas forcément, non, j'ai pas vraiment besoin de points. Bah, histoire de monter niveau 10. Oui, je mets 4 kits de chacun. Ok, cool. Ok. T'as récupéré tes 40 flèches, Capot ? J'en ai 50 sur moi. Non, c'était les flèches en pierre. Je t'ai fait 40 flèches en os à utiliser devant ce qui spawnera au scan. Ok, ok. En bas à gauche. Ouais, je les ai, ça. Et ben dans ce cas, si vous voulez, on peut y aller. Hein. Je pense la tempête est sur le point de se calmer. Peut-être prendre chacun un petit truc à manger. Genre 4 viandes chacun. D'ailleurs, moi je vais en manger une tout de suite parce que j'étais un peu bas. Pareil, je mange une viande et un poisson. Prenez-en pour mettre dans votre barre, comme ça, si on se fait défoncer, on. Mais laissez-en. Je vais poser le marteau aussi, je pense qu'on n'en a pas besoin. Ah oui, c'est pas faux. Poser avec les outils. Hop, j'ai des bandages. J'ai pas pris de kit de suture par contre. J'ai 2 bandages. J'ai 5 bandages, 2 kits de suture, 3 morceaux de viande. 3 morceaux de viande. 90 baies. J'en ai une quarantaine.
Bon bah si vous êtes bon, moi je suis bon. Donc je suis pas trop mal aussi. On peut y aller, direction nord-est. Dans deux secondes, il me fallait quoi pour réparer ça? C'est bon. Je réparais mon arc au cas où. Ouais, j'avance tout doucement. Pour réparer l'arc, il faut juste du bois. Du bois ou de la pierre d'ailleurs? Non, non, une branche. Du petit bois. Ah oui. C'est pour la lance qu'il faut du gros bois pour réparer. Je crois, ouais. Ah, c'est bête, on va plus avoir le buff du... J'ai un loup devant moi, excusez-moi. Hop. Je vous rejoue. Ah, Poupou, c'est peut-être Krios qui répond. Ah, il vient de rentrer, il va arriver. Bah, on fera le deuxième avec lui. Maintenant qu'on est parti, le temps qu'il se connecte. J'arrive, je prends les os. Voilà. Je pense qu'on y arrive. Vraiment que j'ai pas ouvert ma carte, moi. Il y a l'hologramme du scanner à poser. Et tu vois, quand tu ouvres ta carte, t'attends un petit peu et pouf, ça s'agrandit. Ouais, c'est ce que je fais. Et on voit Capo qui nous a presque rejoint. Mmh. Ah, par contre, c'est génial qu'on puisse se voir sur la carte. Ouais, c'est clair. Ouf. J'ai eu un gros lag. Ah bah, ça doit être Krios qui descend. Peut-être. Non. Je sais pas. T'es prêt, Capo? Je me lag aussi. Attends, je vous cherche. À ta droite. Ah, mais là, à ta droite. Ah, remonte. Ah oui, bien vu. Allez. Prenez vos flèches en... Ouais, deux secondes. J'équipe les flèches en pierre, en os du moins. C'est bon, elles sont équipées. C'est bon. C'est parti. Il faudra le relancer à intervalles réguliers, hein. C'est un scan. Il va se déconnecter, ce... C'est idiot. Pourquoi on n'a pas le bonhomme qui a parlé? Ah. Il suffisait de lui demander. Voilà. Je l'ai réactivé. 49%. Non, 41%. 46, 48. Oh, oh, oh. T'as vu quelque chose? Oui, j'ai entendu. Il arrive. Aïe. Ah mais il y a un loup aussi. Le loup est mort. Le LRU est mort. Ah, l'ours aussi. Et l'ours aussi. Est-ce que l'ours vous pouvez me relever s'il vous plaît? Ouais, ouais, je parlais tout de suite. Merci. Je dépasse. Et si tu veux, on va dépasser le loup. Ouais. Et moi j'ai santé basse. Et le scan s'était arrêté. Il y a quelqu'un qui m'a planté une flèche, on peut me la retirer? Bien sûr. Alors moi par contre il va me falloir un peu d'oxyde. C'est de l'eau qu'il va me falloir. Tu peux me retirer la flèche, Capo? C'est de l'eau, ouais. Merci. Ça me gênait un peu au milieu de mon écran. C'est bon, c'est fait. Yes. Bon, bah on va rentrer vite parce que... Ouh, il y a un loup. J'ai pas de vie. Hein. Ah, attendez, vos flèches, gaspillez pas de la... Ah! Encore un combat. Il y a un loup derrière moi. Ah bah, dépêchez le clou. Ah bah, je suis remort. Oh mince. T'es où? T'es là. Il est mort. Je relève le rue. Ouais, dépêchez-vous. Merci. Il y a encore un loup, niveau 5.
Ouais, j'ai vu. Il me court dessus et je suis remords. En même temps, je suis. Et moi, j'ai ma lance qui est cassée. Ah mais sinon vous me relevez et puis on se barre. Hein. En courant. Je vais pas ma lance. Je crois que je suis blessé aussi. Mince. Il me fallait du bois. Ah je vais pas réparer ma lance. Vu ma vie, je me casse. Attends, moi je suis blessé, il faut que je me soigne. Ouais moi aussi j'ai un saignement. Je suis désolé, je vous abandonne un peu lâchement mais. C'est une blessure normale, ok, c'est bon, ça passe. C'est bon ? Ouais. On a tout dépecé, c'est bon ? Ouais, il doit rester une carcasse d'os, mais j'ai mon couteau, là, il reste une carcasse d'os. Si ton couteau, il est encore bon. Moi, j'ai plus de couteau, j'ai plus de lance. Je viens de réparer le couteau, ouais. Juste là. Ah oui. Ah bah c'est pas... C'est à la hache. Ah oui, j'y pensais pas, à la hache. Voilà. Bah. Où est-ce que je suis allé, là ? Plein sud, c'est ça? Ouais. Ah, attention, loup. Ouf. J'en ai pris deux d'un coup, ouais. Les morts, mort. Ouais. Ils s'en est pris une dans la. Moi, je trace, je suis presque à la maison, mais j'ai plus d'oxygène là. Je commence à avoir la tête qui tourne. Je commence à voir bizarrement. Ça va mieux. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus, et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.